Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Comme vous l'avez vu sur l'image donc, de présentation, aujourd'hui on va faire ce petit gilet donc, qui est super facile à faire, niveau débutant vraiment. Je vais utiliser donc un tout petit peu plus de... donc là, ça c'est le fil que j'ai utilisé, donc c'est une Nako Bébé 100. Alors, c'est de l'acrylique. Alors ici, il y a combien de grammes? 100 grammes. Donc j'en ai utilisé une pelote entière et un peu plus d'une autre. Donc environ, on va prévoir environ 150-160 grammes en rose. Un tout petit peu de blanc pour la fleur, mais c'est facultatif. 3 boutons, un crochet 3 mm, une aiguille pour faire les retouches et une autre aiguille pour coudre aussi les boutons. Donc utilisez des petits boutons qui sont susceptibles de passer à travers les mailles, donc pas trop gros les boutons. À part ça, rien de spécial. Je vous conseille de regarder le tuto du début jusqu'à la fin avant de vous engager. Je vais le créer en même temps que je vous le montre. Donc, j'apporte des modifications ou j'enlève, j'ajoute des choses au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de le regarder du début jusqu'à la fin et de vous engager. N'hésitez pas à prendre des notes à côté pour ne rien oublier. Voilà, donc on peut passer maintenant à notre tuto. Alors, pour démarrer, je vais laisser environ une dizaine ou quinzaine de centimètres de fil pour le cercle magique, pour bien avoir la marge pour le resserrer. Et je démarre donc avec un cercle magique. Ensuite, je fais 3 mailles en l'air et 2 brides. Donc, un jeté et j'enlève 2 brins par 2 brins à chaque fois. Alors, les 3 premières mailles en l'air ici sont considérées comme une bride. Et je complète avec 2 autres, donc ça, c'est un trio. Déjà, 3 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. Alors, ici, c'est l'angle. Donc, je vais juste vous expliquer. Pour les angles, sur les rangées suivantes, on va avoir 2 mailles en l'air à chaque fois. Donc, pour cette rangée-ci, il n'y a rien qui change. Donc, je continue, je vous expliquerai après. Ensuite, 3 brides. Donc, le modèle est conçu à la base de 3 brides à chaque fois. Donc 3 mailles en l'air, 2 brides, je complète, donc là je considère que j'ai 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, de nouveau 2 mailles en l'air sur cette rangée, je resserre un tout petit peu au fur et à mesure le cercle magique, 3 brides de nouveau. Et là, écoutez, il suffit de continuer. Donc, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça. 1, 2, 3. Donc là, j'en ai fait 3. Je dois en avoir encore 3. Et à chaque fois, entre les 3 brides, je dois avoir 2 mailles en l'air. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et je terminerai par 2 mailles en l'air. Ici, je m'arrêterai pour vous montrer de toute façon. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai terminé. 3, 3, 3, 3, 3 et 3. Et je termine, comme prévu, par 2 mailles en l'air ici. Et je mets ici, je resserre bien le cercle magique avant. Et une fois que c'est bien refermé, je fais une maille coulée sur la troisième maille en l'air du départ. Et là, ensuite... Alors, avant de continuer, pour éviter que ça se défasse avec le temps, je vais venir former 2 nœuds avec mon fil. Ici, 2 ou 3 nœuds. Donc maintenant, ça va changer. Donc je vais juste prendre quelques marqueurs pour vous aider à vous repérer pour les angles. On arrive donc à la deuxième rangée. Pour faire la deuxième rangée, il faut donc faire 1, 2, 3... et 4 mailles en l'air, un jeté, donc je vais intégrer mon fil à la rangée pour le camoufler, j'en profite, et là je viens piquer à côté dans ici l'espace qui se forme entre les 3 brides ici et les 3 brides ici, là, et je fais dans un premier temps 3 brides. Voilà. À la suite des 3 brides, donc, on va venir former ici l'angle avec 2 mailles en l'air.
Ensuite, je reprends un jeté et je repique donc au même endroit. Pour les angles, ça sera toujours pareil. 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides, mais au même endroit. Donc, on ne change pas. On continue. 3 brides, toujours dans le même emplacement. Ici. Alors, je n'ai pas réussi à mettre la main sur mes marqueurs, mais bon, un trombone fera l'affaire. Vous pouvez utiliser un autre type de marqueur, bien entendu. Ici, moi, je marque donc l'angle pour vous faciliter. Bon, moi, je le reconnais, mais je vais, pour faciliter la tâche, vous pouvez, bien entendu, mettre ici un marqueur comme moi. Maintenant, donc, on a fait le premier angle. Maintenant, donc, ça sera, on passe sur un côté. On n'est pas sur l'angle, on est sur un côté. Donc, on fait une seule maille en l'air. On prend un jeté et on passe à l'autre angle, donc deuxième angle. Donc ici, je viens entre les trois brides ici. Je change donc d'emplacement, je fais 3 brides. Ensuite, exactement la même chose qu'ici. Pour les angles, c'est toujours pareil. Juste pour les côtés, on fait juste une maille en l'air. C'est ça la différence. Donc 2 mailles en l'air, toujours au même emplacement, 3 brides. Et là, pour ne pas se tromper, eh bien, on peut mettre un autre marqueur ici. Voilà. Donc, on le met bien ici. Là, il y a une seule maille en l'air. Faites attention, c'est pas ici. On change, on refait pareil. Une maille en l'air, un jeté, je passe entre les trois autres brides et les trois là. Donc, l'emplacement suivant, sur les deux mailles en l'air, je viens faire 3 brides, 2 mailles en l'air et toujours au même emplacement, 3 brides encore. Donc ça c'est le troisième angle. Et là, je remets un petit marqueur, enfin un petit trombone pour moi, mais je sais pas où est-ce que j'ai rangé mes marqueurs. Je suis vraiment désolée, mais on fait avec les moyens du bord. Voilà, donc on a nos trois angles qui se sont formés. Il suffit de continuer de refaire pareil là, là, et pour la fin je vais vous montrer. Donc ici pareil, une maille en l'air, 3 brides sur l'emplacement suivant, deux mailles en l'air. Ensuite, 3 brides, toujours au même endroit. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite. N'hésitez pas à ralentir la vitesse de la vidéo si c'est le cas. En bas à droite de l'écran, vous avez 3 points. Si vous cliquez dessus, vous devez avoir les paramètres pour ralentir la vitesse de la vidéo. Voilà, donc ici, j'ai le quatrième angle qui s'est formé. On va le marquer. Enfin, moi, je le marque pour vous aider, mais sinon, quand on a l'habitude, c'est pas obligatoire. Ensuite, une maille en l'air, ça c'est le côté de nouveau. Et là, je forme l'avant-dernier angle. Donc, l'emplacement suivant, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Et voilà, l'inconvénient des trombones, c'est que ça tombe. On va le replacer. Voilà. J'ai formé donc le cinquième angle. Et pour le dernier angle, je vais vous montrer comment faire. Voilà. Donc ici, une maille en l'air. Je prends un jeté ici. Et là, regardez, je viens dans l'emplacement ici, de départ. Donc on avait fait 4 mailles en l'air ici, et là, on avait 3 brides et 3 brides. Je viens à l'emplacement entre ces 3 brides et les autres. Et je fais que 2 brides, attention, pas 3, car je vais considérer les 3 mailles en l'air ici comme une bride. Et je fais une maille coulée sur la troisième maille en l'air pour compléter. Et la maille en l'air
entre les deux, c'est considéré comme... non, pardon. Ouh là là là, j'ai failli m'emmêler les pinceaux. Donc, on fait bien. Heureusement que j'ai vérifié. Donc, je suis vraiment désolée. On doit faire 1, 2, 3, 4, 5, le sixième angle. Ouh là là. Donc, 3 brides, 2 mailles en l'air. Voilà. Le dernier angle est ici. Et ensuite, là, je viens compléter avec les 3 mailles en l'air. Je fais 2 brides. Et là, je peux faire ma maille coulée sur la troisième maille en l'air. Et là, j'ai fini. Donc, j'ai le dernier angle qui s'est formé. Je vais vous montrer avant de continuer ce que ça doit donner. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est pas plat, que ça gondole. C'est normal. C'est justement ce qu'on attend. Alors, ici, 1, 2, 3, 4. Voilà qu'il est là. 5 et 6. Vous devez obtenir ce résultat-là. Maintenant, on va continuer. Donc, on va passer à la quatrième rangée. Petit à petit, ça va gondoler encore plus. Donc, comme je vous le répète, ne vous inquiétez surtout pas. C'est normal. À partir d'ici, on passe à la troisième rangée. Donc, je viens faire 3 mailles en l'air. Ici. Ou si vous ne voulez pas faire de mailles en l'air pour le changement de rangée, vous pouvez très bien faire aussi. Regardez. Hop. Ici, je viens dans le vide. Je fais une grande maille serrée, je prends le brin de gauche, je refais une maille serrée de taille normale cette fois-ci. Et ça, c'est considéré comme une bride. Ensuite, je refais deux brides à l'emplacement, ici, entre les trois brides et les trois brides. Donc, on est sur le côté ici. Donc, sur les côtés, c'est que trois brides. Attention, on ne fait pas d'augmentation. Les augmentations, c'est que aux angles. Là, 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 là où on a mis les marqueurs, en fait, tout simplement. Donc, ici, 3 brides. Une maille en l'air. On passe à l'angle. Arrivé à l'angle, donc, pareil. On refait exactement la même chose qu'au rang précédent. Je viens là, dans le vide, et je pique. Je fais 3 mailles en l'air. 3 brides, pardon. 2 mailles en l'air et 3 brides toujours au même endroit. Donc on augmente les augmentations aux angles. C'est ça qui va donner la forme, qui va agrandir notre ouvrage en fait. J'ai fait le premier angle ici. Je vais passer maintenant sur le côté. Une maille en l'air, je passe sur le côté. Ici je fais que 3 brides. Ensuite, une maille en l'air, je passe à l'angle suivant. Et arrivé ici, donc, je refais pareil. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides sur l'emplacement qui se trouve en haut, là. Donc, on augmente. 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides à côté, toujours pareil au même endroit. Donc, voilà ce que ça doit donner. Comme vous pouvez le voir, ça commence à s'agrandir et ça va surtout, ça va gondoler. Donc, une maille en l'air, je passe sur le côté suivant. 3 brides. Donc, à chaque fois, quand je vous dis sur les, on est sur un côté, ici, sur les côtés, c'est toujours une maille en l'air. Et là, il y a une maille en l'air aussi. Donc, 3 brides uniquement. Ensuite, une maille en l'air. Et là, je passe à l'angle suivant. Donc, je refais pareil. Aux angles, augmentation, c'est-à-dire 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. Ensuite, une maille en l'air, je passe sur le côté. Qui se présente 3 brides uniquement. Une maille en l'air, j'arrive ici au prochain angle qui se présente,
Donc, je refais une augmentation, c'est-à-dire que je fais 3 brides. De mailles en l'air et 3 brides encore au même endroit. Voilà. Et ainsi de suite maintenant jusqu'à la fin. Donc sur les côtés, je pense que vous avez plus ou moins acquis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc sur les côtés ici, que 3 brides, que 3 brides. Avec une maille en l'air pour les passages, il n'y a qu'aux angles qu'on doit faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc je continue, je vais vous reprendre à la fin du rang pour vous montrer. Voilà ce que ça doit donner. Donc sur les côtés, à chaque fois, comme je vous ai dit, on doit obtenir 7, 7, 7 partout. Ça doit donner ça. Et comptez bien, surtout, ne vous trompez pas, il faut bien avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6 côtés. Et là, donc j'ai terminé avec l'angle. Donc j'ai fait l'augmentation à l'angle comme prévu. Je fais 2 mailles en l'air. Et là, comme j'ai 5 brides, j'ai démarré avec une bride, j'en ai fait 4 autres, 5. Maintenant, je viens dans le vide ici qui se présente. Et je complète avec 2 brides pour en avoir 7 aussi ici. Ensuite, je fais une maille coulée sur la première bride. Et là, j'ai terminé ma série. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est simple. Sur chaque rangée, il faut faire la même chose, exactement la même chose. Donc, sur les rangées suivantes, jusqu'à obtenir, eh bien, il faudra se baser sur les dimensions que vous souhaitez par rapport à l'âge que vous voulez. Mais moi, je l'ai fait entre, pour une taille 0-3 mois. Et je vais continuer jusqu'à, donc, regardez, j'ai fait l'autre côté. Donc, je vais vous donner le nombre de rangées. Là, je suis ici. Là. Maintenant, je vais faire. Donc, j'ai fait avec la première rangée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rangées. Comme ceci. Pour du 0, 3 mois. Donc, vous pouvez faire plus grand pour donc une taille plus grande ou un peu plus petit. Mais bon, plus petit que 0, 3 mois après, après maturé. Mais c'est faisable aussi, bien entendu. Voilà. Donc, alors. La démarche à suivre pour les rangées suivantes, c'est on démarre donc par une bride sur la première bride qui se présente, ensuite bride sur bride, et le vide qui se présente toujours maintenant à partir d'ici, deux brides. Pour augmenter. Ensuite, deux mailles en l'air. Bon, mon fil est ici, là, lui, il me dérange. Il est à l'endroit, mais c'est pas bien grave car on peut le passer à l'envers. Voilà, désolé pour le petit, la petite anecdote. Donc, j'ai fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides, deux mailles en l'air. J'arrive à l'angle. L'augmentation de l'angle reste inchangée avec 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. Donc, il faut précéder et terminer par 2 mailles en l'air les angles. C'est pareil partout. 2 mailles en l'air, 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides et 2 mailles en l'air. Donc, avant et après 2 mailles en l'air. Le vide qui se présente, on fait notre augmentation avec 2 brides. Ensuite, bride sur bride. À la suite de toutes les brides, le vide qui se présente encore deux brides pour augmenter. Deux mailles en l'air et on arrive à l'angle suivant, etc. jusqu'à la fin de la rangée. On avait 7 brides sur la rangée précédente. Maintenant, on a 2, 4, 6, 8, 10 et 11 brides. Donc, on est toujours sur un chiffre impair.
Et là, maintenant, il suffit de continuer ici, ici, ici. On va tourner, arriver ici. Ce qu'il faudra faire, donc je vous reprendrai pour vous montrer. On terminerait par deux brides dans le vide et deux brides sur les deux brides qu'on n'avait pas crochetées. J'ai continué, je suis donc à l'angle. Je termine donc l'angle avec deux mailles en l'air. J'arrive dans le vide ici, deux brides. Ensuite, je termine avec les deux brides ici qu'on n'avait pas crochetées comme prévu. Et si vous comptez, vous devez obtenir normalement 11 brides comme sur tous les côtés. Et on termine par une maille coulée. Alors, c'est normal, regardez, je vais vous montrer maintenant comment on doit plier, ça gondole comme ça. Donc, ne paniquez pas, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit tout simplement... Hop, attendez, je vais juste étirer mon fil un peu parce qu'il me bloque. Il suffit tout simplement, regardez, de mettre les angles ici, sur l'un sur l'autre. Et ensuite, quand on fait la jointure des deux angles, de toute façon, la suite se fait automatiquement. Et ça doit donner ça. Voilà. Là, on peut avoir le côté droit comme le côté gauche. C'est à vous de voir. Donc moi, j'ai fait le côté gauche. Et là, je suis sur le côté droit. Et vous allez comprendre, une fois avoir terminé, comment on va faire la distinction des deux. Donc surtout, continuez jusqu'à la fin, mais ne coupez pas votre fil avant d'arriver, quand vous êtes à la dernière rangée, car je vais vous montrer comment faire le point élastique et on devra ensuite faire le haut de notre bras pour terminer, sans couper le fil, étant donné que quand on peut l'éviter, on le fait. Voilà, je continue maintenant, donc je vous ai donné le nombre de rangées tout à l'heure, jusqu'à... donc vous devez continuer jusqu'à obtenir. Là, alors moi, ce que j'ai fait, regardez, je vais vous montrer. En termes de... Hop, je vais juste m'éloigner. Donc déjà, sur ma page Instagram et Facebook, vous pouvez trouver les dimensions par rapport aux âges. Donc vous pouvez très bien changer l'âge et faire comme vous voulez. Donc le point élastique. Alors comment je me suis repérée? Alors je ne sais pas si ma technique est vraiment bonne ou pas, mais... je me suis retrouvée dans mes dimensions, je vous montre comment j'ai fait, après si vous savez mieux faire, n'hésitez pas à me les dire aussi. Donc le point élastique, j'en ai eu pour 5 cm. J'ai donc pris en compte ces 5 cm et j'ai regardé la longueur de bras qu'il fallait pour du 0,3 mois. Et ensuite ce que j'ai fait, j'ai continué jusqu'au nombre de rangées qu'il me fallait, ici. Et j'ai rajouté 5 cm pour avoir le bras et donc je me suis arrêtée ici. De mémoire, il me semblait que c'était 22 cm, donc j'ai fait 22 moins 5 et j'ai continué. Donc 22 moins 5, je ne suis pas très douée en maths, donc 17 cm. Et donc il fallait que je fasse, que je continue jusqu'à obtenir ici 17. Voilà. Et ensuite, j'ai rajouté 5 ici et j'ai eu 22. Voilà, et je me suis repérée ici par rapport à la moitié du bras. Regardez ici, on a, c'est coupé en deux. Donc, on commence à mesurer ici. Et ensuite, on continue jusqu'à 17 plus 5, 22. Et voilà, si vous pouvez, c'est l'idéal, c'est le mieux. Mesurez sur un vêtement existant, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Prenez un vêtement, même si vous n'en avez pas à la maison, que c'est un cadeau. Vous prenez un body tout simple ou un vêtement tout simple, pas cher. Vous mesurez dessus la longueur de bras. Vous prenez ici au cou. Là, vous mesurez. Regardez ici. De toute façon, ça correspond, comme je vous ai dit, à la moitié ici du bras de l'avant. Donc, vous mesurez ici. Vous devez obtenir 22 ou plus ou moins par rapport à l'âge que vous voulez. Donc je vous mets le lien des réseaux sociaux en bas de la description de la vidéo. Vous pouvez cliquer là-bas, aller voir le tableau, changer les dimensions. Je ne peux pas vous dire ici combien de brides, combien de rangées, etc. pour l'âge que vous voulez, car il y a beaucoup d'âges bien entendu. Mais comme je vous dis, repérez-vous à ce tableau, vous allez très bien vous retrouver. Je vous ai mis tous les détails là-bas. Moi je continue et ensuite je vous montre l'étape suivante. Alors voilà ce que ça doit donner, donc on en est à ce stade là. Donc j'ai fait au total, hop, là je vais l'ouvrir pour vous montrer, donc voilà ce que ça donne, c'est normal. Alors en termes de rangée, donc j'ai une rangée ici, première, deux, trois,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orangés au total. On va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici. Donc, en termes de dimension, hop, voilà. Je commence au centre ici. Jusque là, j'ai à peu près 11,5 cm. Donc moi, je m'arrête ici. Et là, on doit plier, donc on doit prendre ici les angles, là et là. Donc quand on fait ça, on plie, on plie sur les côtés comme ça. Faites attention, ne vous trompez pas, parce que si vous pliez comme ça, ça ne va pas. Voilà. Donc, là, le côté... Alors, je vais le plier comme ça parce que je me suis arrêtée au milieu. Je vais le plier comme ça. Ce sera... Voilà. On a le bras. Donc là, j'ai le bras gauche ou droite. Droit, c'est pas... C'est pareil. Là, j'ai l'autre côté de mon petit haut. Voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire le point élastique. Donc, on a... j'ai pas coupé le fil. On va continuer de suite. Donc, on plie en deux comme ceci. Donc, on en est là, au milieu, normalement. Quand on plie, on doit avoir les deux angles l'un sur l'autre. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, il faut joindre donc les deux bras, c'est-à-dire les assembler ici déjà pour pouvoir continuer. Alors, ce qu'il faut faire, on va venir faire ici déjà une bride pour comme si on changeait une rangée, tout simplement. Et ensuite, on continue en faisant que des brides, déjà jusqu'ici. Et là, pareil, donc... Dans le vide ici, je vais venir faire deux brides. Sans maille en l'air, je vais faire bride sur bride ici. Bon, je m'arrêterai ici pour vous montrer dans tous les cas. Donc, on va continuer bride sur bride de là jusqu'ici. Voilà, bride sur bride donc jusqu'ici. Donc ici dans le vide, deux brides. Ensuite, bride sur bride ici. Donc, trois brides aussi sur les trois brides qui sont à l'angle. Et là, dans le vide, je viens piquer. Je plie en deux. Regardez, ici et ici. Voilà, l'autre angle. Je pique et je fais une bride. En prenant les deux côtés. Ensuite, je prends un jeté et je tourne. Et là, je viens me positionner sur la bride de l'autre. Là, j'ai trois brides sur l'autre angle. Je me positionne sur sa première bride. Et pareil, bride sur bride. Ici aussi. Donc, on a assemblé le bras. Dans le vide, deux brides. Voilà. Et de là jusque là, bride sur bride. Arrivé à la fin, on ferme par une maille coulée sur la première bride, comme d'habitude. Maintenant, avant de continuer, je vais vous montrer comment faire le point élastique. Donc, j'agrandis ma maille, je prends un jeté, je pique autour de la première bride, ici. Je fais passer le crochet derrière et ensuite je fais une bride. Ensuite, je reprends un jeté et cette fois-ci, je fais passer le crochet devant. Là, par derrière, je fais passer le crochet devant et je repars derrière. Et je fais une bride. Ainsi de suite, on va alterner. Donc, une bride avant. Et ensuite, une bride arrière. Une bride avant, une bride arrière, jusqu'à la fin de la rangée. Étant donné que maintenant, on va travailler en rond. Donc, on va faire avant, arrière, jusqu'à la fin, jusqu'ici. Et je vais vous montrer la deuxième rangée quand même, comment faire pour continuer. Et puis ensuite, je vous donnerai le nombre de rangées, car ça sera répétitif par la suite. À la fin de la rangée, j'ai terminé par une bride arrière ici. Et j'avais commencé donc par une bride avant, ça tombe bien. Mais c'est pas bien grave si vous avez deux brides avant ou deux brides arrière. Ici, à la fin, c'est pas la fin du monde. Donc, arrivé ici, pour continuer le point élastique, c'est tout simple. On prend un jeté, on agrandit le brin ici sur le crochet. On prend un jeté et si on a fait bride avant au début, on fait bride avant, pareil. C'est-à-dire qu'on fait passer le crochet derrière la bride ici, là. Et on refait bride avant. Ensuite, un jeté, bride arrière sur bride arrière.
Et pour que votre élastique soit bien étroit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne bien la forme qui rétrécisse un peu ici. Donc pour avoir cette forme-là, regardez. Avant de continuer sur la bride, je veille à avoir le jeté sur le crochet bien serré. Donc je resserre avec mon doigt là, ici, je resserre le fil, je retire dessus. Je prends un jeté, bride avant. Donc quand je fais la bride avant, il n'y a pas de problème. Je peux augmenter la laisser la tension un peu libre. Et là, quand je fais la bride, donc je ne fais pas comme ça, je n'agrandis pas. Je resserre bien. Et bride arrière. Bride avant sur bride avant. Bride arrière sur bride arrière. Et ainsi de suite. Donc, il suffit de continuer comme ça maintenant. Moi, j'ai fait donc ici une première rangée de brides que j'ai fait en même temps que vous. J'ai fait donc au-dessus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rangées de points élastiques comme maintenant. Et je m'arrêterai ici à la fin pour vous montrer la dernière rangée. C'est-à-dire que là, j'ai fait une rangée de brides. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut encore 5 rangées pour avoir 6 rangées au total, comme ce point-là. Donc je continue et on se retrouve à la dernière rangée. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. J'en suis donc à la fin, à la dernière rangée. Pour terminer, on va venir faire une rangée de mailles serrées, mais en diminution. C'est-à-dire, je pique sur la première bride sans jeter et je pique sur la deuxième bride d'à côté. Et je les ferme en même temps, ces deux mailles serrées. Comme ça. Ensuite, sans jeter, de nouveau, bride suivante, une maille serrée, bride d'après, une maille serrée, on a trois brins, et on tire, on enlève les trois brins en même temps, et ainsi de suite, tout simplement, jusqu'à la fin de la rangée, pour que notre point élastique ne soit pas trop large ici au niveau du poignet. Et ensuite, donc, on viendra continuer, donc le haut, et puis le dos, etc. On va passer aux étapes suivantes. Maintenant, on va jeter un coup d'œil avant de continuer. Donc, on a les deux parties qui sont terminées avec les points élastiques et on veille à avoir les mailles serrées à l'endroit. Donc ici, c'est l'avant. Si vous avez du mal à vous repérer, n'hésitez pas à mettre un petit marqueur là et là. Comme ça, vous savez qu'on est à l'avant. Maintenant, il faut retourner les deux pièces. Donc, comme si c'était déjà assemblé, on retourne les deux. Et on a les mailles serrées en haut comme ça, à l'envers. Il faut maintenant ici, assembler le dos avant de continuer sur l'avant pour faire le point élastique et on s'approche petit à petit de la fin. Donc, je prends mon petit fil et j'entame avec un nœud. Je viens de terminer donc cette pièce-là, ici, donc qui est censée être le bras droit. Et là, le bras gauche. Je vous dis ça pourquoi. Alors, je vais vous expliquer. On doit crocheter exactement les deux mêmes pièces, là et là. Il n'y a rien qui change. Jusqu'au point élastique. Une fois arrivé ici, on va devoir venir tout simplement fermer ici le haut de l'épaule, donc du bras jusqu'au niveau de l'épaule. C'est ça qui fait la différence entre le bras droit et le bras gauche. Donc pour ceci, pour le bras gauche, je commence ici, là, et je fais ici des mailles serrées en prenant les deux côtés. Donc mailles serrées sur les deux côtés sur les brides. Jusqu'ici. Et je dois laisser, regardez ici sur les brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là, hop, sur la septième, je dois terminer. Donc, 6 brides ici, plus le vide ici, plus les 3 qui sont à l'angle. Et pour le bras droit, je dois faire la même chose, sauf que au lieu de continuer ici dans ce sens-là, de ce sens-là, en fait, j'ai commencé de là à là, et ici, au lieu de commencer exactement pareil de là à là, si je fais ça, je vais avoir les mailles serrées à l'envers. Donc, je dois venir ici sur la septième bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, on va piquer sur la septième bride dans ce sens-là, en ayant l'ouvrage de ce côté-là. Et là, mailles serrées sur les deux brins des deux côtés jusqu'ici pour fermer cette partie-là. Et ensuite, on entamera le reste. Donc, je me positionne ici de suite. On commence par faire un nœud, donc n'hésitez pas à laisser un peu plus de fil ici car on le cachera par la suite. Donc comme prévu, je laisse les trois brides ici à l'angle, les deux vides ici des deux côtés ici aussi. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et je pique sur la 7e. Ensuite, je viens de l'autre côté, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pique sur la 7e bride. Étant donné qu'on doit avoir exactement le même nombre de brides, a priori, si vous ne vous êtes pas trompé, on doit avoir le même nombre, donc là, de brides ici et ici. Donc, pas de diminution, pas d'augmentation. Donc, je prends ce côté-là et le côté d'en face et maille serrée. Donc, vous pouvez le faire aussi en maille coulée si vous préférez. Mais moi, je vais continuer en maille serrée car je trouve que c'est bien comme ça. Mais surtout, ne serrez pas trop, sinon ça va retrousser les épaules. Donc, on continue maintenant jusqu'ici, jusqu'à la jointure de l'élastique. Et ensuite, je vais couper le fil et le cacher par la suite. On passera à l'étape suivante. Voilà. Maintenant, on va prendre les deux parties en bas du dos. Donc, ici, c'est en haut. Je descends tout en bas. Maintenant, on va faire comme pour l'assemblage des carrés granny. C'est plus ou moins la même technique. Je viens sur l'angle ici, à gauche. Voilà, là. Je prends le brin. Regardez, là, c'est l'endroit. Ici. Je prends le brin ici de la maille en l'air qui se trouve vers l'intérieur. Donc le brin qui est en bas, on ne prend pas les deux brins, attention. Et ici aussi le brin qui est vers le bas, donc derrière. Et je viens faire tout simplement une maille coulée. À partir d'ici, on va faire la même chose partout. Donc j'intègre mon fil pour le cacher au fur et à mesure aussi. Je vais prendre les brins qui sont, donc ici on a l'endroit, j'espère que vous y voyez bien clair. Donc ça c'est l'endroit, on ne va pas prendre, on a deux brins ici, des brides, les deux brins. On va venir prendre le brin qui est vers l'envers, ici. Et pareil de l'autre côté, le brin qui est vers l'envers, ici. Et une maille coulée. Pourquoi je fais des mailles coulées et pas des mailles serrées? Eh bien tout simplement pour que ça soit plus plat. Donc si je fais des mailles serrées, il va y avoir un petit relief qui va se former. Pour éviter d'avoir cet aspect-là, je vais tout simplement faire des mailles coulées comme pour l'assemblage des carrés granny. Donc, on part sur des mailles coulées. Après, si vous avez du mal avec les mailles coulées, vous pouvez très bien coudre avec un fil d'une aiguille. Ça revient au même. Il suffit tout simplement de former un nœud au départ et à la fin, vous cachez votre fil et vous cousez tout simplement. Voilà. Et là, on a une petite tresse qui se forme au milieu et c'est plat. Il n'y a pas de relief. Et la tresse, ça fait un joli effet aussi derrière, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et en attendant, moi, je vais continuer donc jusqu'ici. Et on se retrouve dans quelques instants. Ça doit donner ça à la fin, ici. Là, on voit bien. Voilà. Donc maintenant, je suis sur le haut. Donc là, c'est l'avant. Et ici, moi, je suis à l'arrière. Maintenant, on va commencer, donc on doit faire un point élastique, mais plat cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on ne va pas terminer par une rangée de mailles serrées en diminution pour avoir un effet plat au lieu d'avoir un effet retroussé comme sur les manches. Donc, pour ce faire, on va commencer donc ici à l'angle. Donc j'ai fait une maille coulée sur la première maille en l'air de l'angle. La deuxième maille ici, elle est vide comme ici, j'ai rien fait. Donc, j'agrandis la maille ici, je fais une grande maille serrée, pareil, donc une petite bride, et on démarre. Donc, une bride ici, ensuite bride sur bride, on continue donc dans ce sens-là, sur le bras, donc le côté gauche, on avance sur le cou, vers le bras gauche. Et ensuite, dans le vide ici, deux brides, on va faire une rangée de brides, donc tout le tour, je vais vous montrer où. Mais avant ça, je vous montre comment je fais pour les petits vides qui se présentent. Donc ici, deux brides sur les deux mailles en l'air tout simplement. Et tout le reste, donc, bride sur bride. Ici. Voilà. En attendant, je vous rappelle que vous avez les liens de mes réseaux sociaux dans la description en bas de la vidéo. Donc Instagram, Facebook, Pinterest, Threads et même TikTok. Donc vous pouvez très bien me suivre sur ces comptes.
Donc je suis arrivée ici, bride sur bride, et puis là, arrivée à l'angle, je vais piquer ici, déjà, hop, bride sur bride, et là, je vais en profiter pour cacher le fil, tout simplement. C'est pour ça que je l'ai gardé jusqu'à la fin. Et là, je passe de l'autre côté. Voilà, donc bride sur bride. Je vais vous montrer ici à l'angle comment je vais faire. Et là, je fais pareil, donc bride sur bride. En cachant le fil, je le camoufle, j'en profite. Il doit y avoir, donc il y a sûrement bien entendu d'autres techniques pour cacher les fils. Dites-moi comment vous faites en commentaire, comme ça, ça nous permet d'échanger nos idées, nos techniques. On en apprend tous les jours, bien entendu. Voilà, donc dans le vide de bride. Ici, bride sur bride. Voilà. Donc, arrivé à l'angle, comment je fais? Eh bien, comme pour la partie qu'on a crochetée en bas, déjà dans un premier temps, deux brides, deux mailles en l'air et deux brides. Donc, c'est comme si on faisait l'angle d'augmentation. Il n'y a rien qui change. Et ensuite, on continue avec bride sur bride. Pour les angles, ça sera tout le temps pareil. Donc, ici, ensuite, en bas, donc je vais juste m'éloigner pour vous montrer. Voilà, j'ai démarré ici. Au dos, bride sur bride ici, à l'angle, pareil, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Maintenant, je vais faire tout le tour ici en faisant tout simplement bride sur bride, bride sur bride. On va faire une rangée de brides uniquement pour avoir déjà la base. Ensuite, on va faire tout le tour ici, ici, pareil là, et on se retrouve ici au point de départ. Je ferai une maille coulée et on va continuer notre point. Arrivé à la fin, toujours par une maille coulée, je termine ma rangée ici. Voilà, donc maintenant on va faire comme pour les manches, donc comme pour ici, on agrandit la maille, on prend un jeté, on démarre par une maille avant, voilà, et ensuite une bride avant, pardon, et une bride arrière, une bride avant et une bride arrière. Et ainsi de suite. Alors je vais avancer ici jusqu'aux angles pour vous montrer comment je vais faire ici, et je vais vous montrer les angles, et ensuite je vais continuer, terminer donc je pense le point élastique. C'est comme c'est répétitif, j'avancerai, donc on se retrouve juste ici dans quelques instants. Du moment qu'il y a des brides, on continue en alternant une bride avant, une bride arrière. Donc je suis arrivée à la dernière bride ici et j'ai terminé par une bride arrière. Et arrivé à l'angle, comme pour ici, comme pour les augmentations d'angle, je dois continuer à augmenter pour que ça fasse un effet bien carré ou arrondi, voilà. Donc à l'angle. Ici, étant donné que je n'ai pas de bride en bas, je vais faire deux brides. Deux mailles en l'air et au même endroit, deux brides. Je vais passer de l'autre côté. Voilà. Et ici, j'ai terminé donc par une bride arrière. Je vais démarrer par une bride arrière pour garder la symétrie. Donc, bride. Hop, attendez, j'ai le fil qui se dédouble. Voilà, bride arrière sur la prochaine bride. Et ensuite, bride avant et ainsi de suite. Donc, sur tous les angles qui vont se présenter, le principe va être le même. On devra donc augmenter de deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. Et tout le reste, on continue, on fait bride avant, bride arrière, point élastique. Donc je vais continuer, je pense, de cette manière-là. Je pense faire, donc j'ai fait la première, je suis en train de faire la première rangée du point élastique, sans compter la rangée de bride. Je pense en faire donc deux autres encore pour avoir un point élastique qui fasse plus ou moins 3-4 cm. Et on verra bien par la suite comment je vais terminer. Je continue, je vous reprends. On doit obtenir ce résultat-là. Alors, je vous donne le nombre de rangées que j'ai fait ici. Donc, j'ai fait la rangée de bride, tout simplement, avec une, deux rangées, c'est bien ça? Ouais, deux rangées de point élastique. Et je trouve que c'est suffisant quand même pour l'avant ici, car je vais venir coudre deux ou trois petits boutons ici,
pas ici parce que pour une aussi petite taille, c'est pas nécessaire pour le coup. Je préfère garder quand même l'ouverture ici comme ça. Donc du coup, je disais, c'est suffisant ici, mais pour le coup, je voudrais juste rallonger d'une ou deux rangées encore pour avoir une petite hauteur de plus. Alors pour ce faire, je vais m'approcher, je vais vous montrer comment je vais procéder. Alors désolé si c'est pas très net parce que le soleil a décidé de se cacher, donc pour la luminosité c'est pas le top. Je vais faire de mon mieux pour essayer de vous montrer le plus nettement possible. Donc la rangée de brides plus une rangée d'élastique et une deuxième. Alors uniquement pour le coup, je vais continuer, je vais faire une rangée d'élastique, de points élastiques encore. Donc je vais monter ici en bride avant sur bride avant et bride arrière sur bride arrière. Alors ce point là, donc je suis là je suis au dos à la jointure, je vais continuer ici jusque là, jusqu'à l'avant à l'angle. Donc le point élastique va continuer ici et ici je vais changer de procédé. Donc je continue, je vous reprends dans un instant. Donc ici à l'angle, je terminais par une bride arrière à la dernière bride qui s'est présentée. À partir d'ici, tout simplement, je vais venir faire une bride supplémentaire à l'angle, car là c'est bien droit, c'était pas droit tout à l'heure. Et ici, je fais pas de mailles en l'air, je vais venir faire des mailles serrées, donc une autour de la dernière bride déjà pour démarrer, une autre dans la bride, on prend les deux brins de la bride, et ensuite une autre maille en l'air ici à l'angle. Et je vais continuer à partir d'ici avec des mailles serrées sur toutes les brides qui se présentent. Donc ne serrez pas trop vos mailles serrées pour avoir un bord droit, pour que ça ne se retrousse pas surtout. Et si vous trouvez que ça ondule beaucoup, que ça vrille, et bien vous pouvez serrer vos mailles serrées au contraire. Donc ça, ici, la tension de votre fil et de vos mailles serrées dépend un peu de vous. Donc moi je continue la maille serrée sur bride tout le tour, et en fait je vais m'éloigner pour vous faire comprendre ce que je veux faire. Pour les côtés ici, donc là sur tous les bords, devant, en bas, là tout le tour, devant, je vais faire que des mailles serrées, donc ça sera uniquement des mailles serrées car je trouve que la largeur suffit. Une fois arrivé à l'angle ici, je vous reprendrai pour vous montrer donc ici comment j'ai fait. Je vais faire exactement la même chose que là à droite, je vais refaire la même chose à côté, mais je vous reprendrai quand même pour que vous n'ayez pas de questions, de doutes. Je terminais donc par une maille serrée sur la dernière bride qui s'est présentée ici. Maintenant je dois ici piquer dans le vide, donc faire comme une bride tout simplement. Donc déjà, attendez, on va faire une maille serrée déjà, voilà, et je refais comme pour une bride, donc une maille serrée qui est un peu longue et une autre dessus, cette fois-ci un peu plus courte. Donc je considère ça comme une bride tout simplement. Et ici j'avais donc bride avant, bride arrière sur les deux autres, donc je dois considérer que c'est bride avant et bride arrière. Donc je fais bride arrière. Ensuite, bride avant, bride arrière, parce que c'est une bride arrière qui se présente, bride avant, et ainsi de suite. Et puis là, c'est facile, il faut tout simplement suivre le cours, continuer jusqu'ici. On terminera par une bride arrière si vous avez une bride arrière comme moi, une bride avant, si c'est une bride avant. Et une maille coulée, on coupe le fil et on s'arrête. On passe aux dernières retouches pour terminer notre petit haut. J'ai terminé pour ce qui est du petit haut. Maintenant, je vais venir faire une petite déco de fleurs. C'est facultatif, vous pouvez très bien laisser sans petite déco, c'est-à-dire comme c'est, ou bien ajouter une autre chose. Une petite broche déjà prête, mais moi je vais faire une petite fleur. Voilà. Alors j'ai commencé par un cercle magique, une maille en l'air et 12 mailles serrées dans mon cercle magique.
Voilà. À la fin des 12 mailles serrées, bon, j'ai commencé avec le rose, je pense que c'est évident, mais c'est vrai que je n'avais pas précisé. Donc je serre le cercle magique, je viens faire une maille coulée sur la première maille serrée. Et là, une maille en l'air, puis je coupe mon fil comme ceci. Là, c'est terminé. Je vais les nouer entre elles, entre eux plutôt, parce que c'est masculin. Donc les petits brins pour que ça soit sécurisé. Maintenant, je change de couleur. Je vais prendre un peu de blanc. Je fais un nœud ici. Donc, je prends bien l'endroit ici. Je pique sur une maille serrée et je fais une maille serrée. Ensuite, je viens faire 3 mailles en l'air. Je prends un jeté. Je pique au même endroit, je viens faire une grande bride, c'est-à-dire que j'agrandis bien là, ici, les deux brins. J'enlève les deux brins comme ceci, mais je ne ferme pas la bride. Je la laisse de côté, je reprends un jeté, je refais la même chose. Je pique, je tire bien et j'enlève les deux brins. Je laisse de côté et je refais encore une fois. Un jeté, je pique au même endroit, j'agrandis bien et je laisse de côté. Là, j'ai 4 brins. Je continue, un jeté, et là, je passe sur la maille serrée d'à côté. J'en profite pour cacher mes fils. Je vais faire 3 fois la même chose. Donc, une bride, pas fini. Une deuxième, pas fini. Et une troisième, pas fini. Et ensuite, je viens fermer toutes les brides. Et là, je finalise. On doit obtenir donc cet effet retroussé, donc je pousse volontairement par-dessous là, et là je viens faire 3 mailles en l'air, je repique, je viens tout simplement piquer ici à côté, au même endroit, là, sur la maille serrée suivante, et je fais une maille serrée. Vous pouvez très bien faire une maille coulée aussi, d'ailleurs je pense que ça fera plus beau, on va faire ça. Voilà. Donc on a notre première pétale qui s'est formée. Maintenant il faut en faire d'autres à côté. Donc a priori j'ai commencé avec 12 mailles serrées. Normalement je dois en avoir 6, donc 6 pétales. Alors 3 mailles en l'air, je pique, une bride pas finie, au même endroit toujours, je pique, une autre bride pas finie et une autre. Et je passe sur la maille serrée d'à côté. À chaque fois il nous faut 2 mailles serrées par pétale. Donc je pique à côté, je termine pas et j'en refais encore 2 autres pour en avoir 3 sur l'une et 3 sur l'autre, comme ceci. Et là j'ai 2, 4, 6, 7 brins. Je serre et je ferme. 3 mailles en l'air et là je pique à côté et je fais une maille coulée. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça fait une jolie fleur bien bien volumineuse. Je termine et je montre comment je vais faire l'assemblage par la suite. Je termine par une maille en l'air et là, attention, je laisse suffisamment de marge comme ça. Voilà, et je coupe mon fil après. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que ce fil va me permettre de coudre ma petite fleur donc sur mon petit bout. Voilà. Donc, à l'aide d'une aiguille, je prends le haut. Donc, vous pouvez le positionner là où vous voulez. Moi, je vais le mettre ici, à gauche, au niveau, ici, juste à l'avant. Voilà, tout simplement. Donc, je vais le coudre et on va voir le résultat ensemble, car je n'ai pas fini non plus toutes les retouches. Je dois cacher mes fils et on voit ça dans quelques instants. Et voici le résultat. J'en ai profité pour coudre aussi mes boutons. Donc, veillez à utiliser des boutons qui passent à travers les mailles, donc pas trop gros, des petits boutons qui sont, je pense, là j'en ai pour environ 1 cm environ. Donc ça passe à travers les mailles sans souci. Voilà, on a terminé l'avant de notre petit haut et l'arrière comme ceci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire parvenir vos photos issues de mes tutoriels. Je les partage avec grand plaisir sur mes pages, donc sur les réseaux sociaux.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez aussi, car vos avis sont très importants pour moi. Si c'est le cas, si ça vous a plu, si vous trouvez que mes explications sont claires et compréhensibles, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Pour la suite de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel.